fournitures scolaires, j'aurais besoin d'un stylo et d'une équerre, quelques feuilles, un cahier et le tour est joué. Cultura. C'est parti. Il y a plein de trucs. Là, il y a l'origine de fourniture, l'expert laveur. Ah. Oh, les surligneurs, ils sont grave sympas. Trop beau ce carton. Ils sont avec la forme d'un stylo. Les crayons que je voulais pour dessiner en art plastique, les Vanna, tu sais, là, en art plastique. Oh non, Oriane, j'ai jamais pris eux, en non, c'est vrai. Art plastique. C'est eux, Oriane. Ouais, mais en art plastique, j'utilise ces crayons d'habitude. Ouais. Aussi. Oh, regardez. Les tailles crayons trop. Ah oui, je connais ça dans mon école, il y a un ami à moi qui l'a. Mais il y a des dés de sans bleu. Regarde, il y a deux dés de deux. Un deux, ouais. Un deux. Bah oui. Ouais. Là, on va dans le rayon des stylos. Allez. Et des crayons. Regardez, moi je fais ça. Allez, direct. Oh, regardez le propos. Allez, là. Je prends ça. Regardez, chouchou, je vais en même temps d'écrire. Donc ça, je sais pas si vous connaissez, c'est les stylos qui s'effacent, enfin qui... Ouais, moi je prends juste un stylo avec... bleu comme ça, parce que c'est trop bien. Moi j'en ai un à la maison, mais il est cassé. Je vais faire le parcours de Pac-Man. Alors, hop. Ah non, il ça. Et moi je fais ça. Je fais Ah non, je me suis fait manger par un fantôme. Je vais écrire. Ah ouais, ma dictée d'école. Il y a même des feuilles pour savoir s'il est, s'il veut écrire. J'ai besoin de tout ça pour le jour. Là, il y a plein de noirs. Ouais. Et là, il y a plein de... Là aussi, on sent que c'est la rentrée des classes bientôt. Parce qu'on peut acheter en magasin des organiseurs. Donc, c'est une sorte de calendrier où on peut mettre ce qu'on fait chaque jour. Et donc, j'adore ça. Nous, on en avait un avec des autocollants. Ah, voilà, des autocollants comme ça. Voilà. Et à chaque fois, c'était notre anniversaire, on mettait des autocollants comme ça. Anniversaire. Quand il y avait des fêtes, on mettait des fêtes comme ça. Quand on passait des examens, on mettait ça. Comme nous, on n'en a pas vraiment. Quand on était en famille, qui était avec papa, avec maman, on mettait des affiches. Voilà. Quand on faisait du quand shopping, on regardait le cinéma en famille, c'est hyper pratique. C'est méchant. MDR. Et voilà mon rôle. Oh, maman, je suis méchant. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait la voix de Edith dans Maman, chez mes chats. On a vraiment pour tous les goûts. Moi j'en ai déjà fait à l'école de ça. Et en fait il faut écrire. Regardez. Il faut écrire sur le noir. Et ça marque. Ouais, enfin, on peut faire même un arc-en-ciel. Voilà. C'est et là on voit bien. Toutes les couleurs. C'est trop beau. Oh, ça fait des points, regarde. Ouais, ça fait des points. Ils ont fait des formes géométriques pour pas forcément... Ah ouais, il y a une lune ici. Pour qu'on voit pas forcément. Ah ouais, il y a une lune. C'est trop beau. Pourquoi il y a un O? Je sais pas, au début je voulais écrire Oriane et après j'ai marqué une. Je peux écrire moi aussi. Je pense qu'on va l'acheter celui-là. Hein. Il est vraiment bien. Enfin, bah lui, mais les autres là. Bon, l'essayer, c'est l'adopter, alors on le prend. Yeah! C'est vraiment trop cool. Là, il y a des agendas. Waouh! Et là encore, il y en a pour tous les goûts. Regardez-moi ça! C'est des agendas. Waouh!
j'adore. Moi, j'ai pas de préférence, je les aime tous. Ouais, moi aussi, mais par contre, j'adore celui-là. Il est vraiment trop beau. Celui-là aussi, il est magnifique, avec des fleurs partout. À l'école, on l'a lu. Moi, j'adore la maîtresse des tests. En fait, c'est un livre où il y a plein d'enfants qui se bagarrent, qui font n'importe quoi. Ah oui, je connais. Et la maîtresse, elle dit, la maîtresse des tests qu'on révase pendant les maths. Ouais, et ça, je connais. Là, on est dans le rayon musique. Et j'ai chanté ici, là, sur cette scène. Là, il y a des cartables. Oh, regardez. Par exemple, il y a un cartable, le voyage d'Arlo. Il y en a encore pour tous les goûts. Hein. C'est voyage d'Arlo, ça? Ah ouais, je crois. Hein. Bah ouais, ça ressemble. Oh, il y a un petit chat. Ça, c'est pour les maternelles. Ouais, pour leur goûter. Le cartable, la reine des neiges, Astérix. C'est trop mignon. Regardez, il y en a trop mignon. C'est le style de cartable qu'on prenait juste avant. Ah ouais. Moi j'aime bien les cartables simples où il y a juste des petits motifs. Enfin, j'aime comme pas ça, quand. Par exemple. Voilà, comme ça. Coloré. Après, j'aime bien ceux comme ça. Mais je sais pas, j'ai des préférences pour ceux avec un peu de choses. C'est la même couleur. Si, j'adore. Ah, celui-là, j'avais une amie qui l'avait. Ah, celui-là, il plaît bien. Parce qu'Oriane, elle aime bien les espaces. Ouais, pareil, j'adore. Moi aussi. La mode, hein. J'adore. Oh, il est là. Il est trop beau celui-là. Celui-là, il me plaît. Là, c'est les agendas. Et moi, je suis là à la maison. Ils sont trop beaux. Il y en a pour tous les goûts, encore une fois. Moi, j'ai le rose. Oriane, elle a un bleu comme ça. Ouais, mais j'aime bien. Regardez celui-là, il est rigolo. Il est trop mignon. Mais pas trop craquant. Ah ouais, celui-là. Moi j'aime bien celui-là parce qu'il est mimi. Tous les maltins, je vais le sortir. Celui-là aussi. Donc là, encore une fois, il y a des motifs. Donc j'aime bien. Là aussi. Là, on est au rayon des trousses. Donc là, il y en a des transparentes. De différentes couleurs. Et il y en a d'autres qui sont en tissu. Des normales en fait. Moi, à chaque fois, j'ai des trousses trop petites, alors je pense que je vais prendre celle-là. Moi, j'aime bien le noir et le rose, du coup, je pense que je vais prendre celle-là, parce qu'elle, elle n'est pas transparente. Et puis ça, c'est bien, ça permet de voir les affaires à l'intérieur. On peut voir, si on veut un crayon, on voit qu'il est au fond. En fait, je vais peut-être prendre celle-ci. Ouais. Ah, ou alors celle-là, elle est trop belle. Et là, on voit. Bonjour, il y a des paillettes, regarde. Ça, ça te plairait bien. Je vois la vie en rose. Je vois la vie en bleu. C'est notre choix. Moi j'ai pris une trousse léopard. En fait finalement je vais prendre elle. Ah tu prends la même? Ouais, elle est vraiment trop belle. Et moi j'ai pris la rose. La rose transparente. En plus les deux ils vont trop bien ensemble. Je suis trop contente. J'aime bien ces genres de trousses aussi parce qu'il y a plusieurs compartiments. Et dans un compartiment par exemple on veut mettre les feutres de couleur. Et dans l'autre les crayons de couleur. Là regarde, c'est pratique. Ça c'est ouais, du cuir. C'est du cuir. Il y a écrit cuir. Ah voilà. Et là encore une fois, il y a des cols moins moches et méchants. Nous on en a plein à la maison parce qu'à l'avant-première, d'ailleurs on vous avait tout filmé en vidéo ici. À l'avant-première, bah on avait eu plein de cols et du coup on en a plein à la maison. Qui sert à la géométrie, les équerres, les compas, les rapporteurs et les radis. Waouh, il y en a plein là. Il y en a tellement de stylos ici que c'est difficile de faire un choix. Mais il y a des stylos qu'on trouve pas ailleurs, il y en a des dorés. Des argentés,
Il y en a même des pailletés, de toutes les couleurs. Quelle vous plaît à vous ? Taille crayon et encore taille crayon. Moi j'ai trouvé ça. Moi j'ai trouvé un crayon de ma mère. En fait ça se lève comme ça. Et ça se laisse après. Ça se rentre après. Je connais ça parce que j'ai lu dans un journal quand on tourne son taille crayon et quand on met son crayon dedans et qu'on tourne, les dents elles se lèvent et se baissent, se lèvent, se baissent, se lèvent et se baissent. Comme si elle mangeait le crayon. Ouais, voilà. J'aime bien aussi ça, cette petite gomme. Elle est trop mimi. Et ça c'est le taille crayon de la géographie. En géographie je sors comme ça je fais. Maîtresse, c'est juste un taille crayon, c'est rien d'autre. Moi, et là, je regarde comme ça. Moi, j'aime. C'est pour tricher. Tout ce qui est mini comme ça, et comme ça. Tout ce qui est taille bébé. Parce que c'est trop mignon. Cette gomme, on dirait une Pokéball. J'ai trouvé Ratata. C'est un Pokémon. Ça, c'est un taille crayon. Ou quand on taille, et ben, le truc il s'ouvre comme un endroit secret. Il y a même des... j'ai oublié le nom. Des Tipex. Voilà, des Tipex colorés avec la couleur de notre choix. Oh, ils sont tout petits. Ouais, c'est vrai. Justement, c'est ce que j'ai dit. J'adore les trucs miniatures comme ça. Moi j'adore les stylos Bic, quelle couleur ? Parce qu'il y a plusieurs mécanismes qui font qu'on peut avoir la couleur de notre choix. Il y a du bleu, il y a du vert, il y a du noir et il y a du rouge. Et puis depuis pas longtemps, on peut les avoir de différentes couleurs. Il y en a des bleus, il y en a des roses comme ça. Et c'est vraiment beau, j'adore la nouvelle mode. Encore une fois, de différentes couleurs. Ah non, c'est pas des glaceurs, c'est des... Comment ça s'appelle, des pochettes? Ah non, des pochettes de l'apporteur. Qu'est-ce que c'est? Une éponge efface les ardoises, d'accord. Maintenant ils les font différents, on les met dans des petites boîtes. Et c'est en mousse. Il y a quelqu'un dans ma classe qui l'a. D'accord. Alors vous connaissez sûrement les stabilos de base en orange, en jaune, en bleu et en rose. Et maintenant, ils en ont sorti des nouveaux qui sont en violet. Où il y a encore d'autres couleurs, il y en a plein d'autres. Il y a par exemple, regarde, ce vert-là. D'habitude, c'est des verts clairs comme ceux-là, mais ils l'ont fait en plus foncé. Foncé avec différentes formes. Voilà, c'est avec la forme d'un stylo. Regardez la couleur ici, c'est nacré, c'est trop beau. Il y en a plein d'autres, il y en a des violets, des roses un peu saumon en fait, et des bleus, il y en a plein. Voilà. Et c'est un cartable, dedans on peut mettre des trucs et l'emmener, voilà. Et regardez, il va y avoir une surprise qui va jaillir. Voilà, comme dans Mario. Il y a même des mignons. Pac-Man! Comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Là, c'est le même, mais en mini. En bébé. Le cartable en bébé. Celui-là, j'aime bien parce que j'aime tout qui est bébé. En fait, c'est un peu pour porter les pièces. Parce que c'est tout petit, du coup. Oui, mais là, c'est le plus grand. Ouais, tu peux mettre tes clés là. Justement, on est allé au Futuroscope et on a déjà un grand lapin crétin comme ça, mais il existe aussi en petit. Mais il est grand comme ça. Et regardez le pièce que j'ai fait. Regardez. 3, 2, 1. Ding. Ah, ça fait un bruit en plus. Oh, écoutez. Mais là, tu peux le faire avec le pixel. Ouais, c'est vrai. Il fait un bruit. Il fait... Ah.
Il n'y a pas eu de son. J'ai toujours rêvé d'avoir un stylo comme ça. Et du coup, je vais le prendre pour peut-être signer des autographes dans la rue. Voilà, j'aime bien. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, mettez plein de pouces bleus. Et surtout, abonnez-vous! Mettez plein de pouces bleus, commentez et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Salut! Vous pouvez me rejoindre sur Facebook, sur Instagram et sur Snapchat. Alors, vous avez choisi quel réseau? Les trois? Ah, c'est bien!